Salut les petits coquinous, c'est Kira Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Watch Dogs 2 pour une nouvelle vidéo sur le Let's Play. On va continuer la mission qui était Cyber Driver. Oui, alors je suis à 500 mètres à peu près. On y va tranquillou. Peut-être plus tard changerai de vêtements, je sais pas, faut que je me tâte. Alors ça d'aller, j'ai l'impression que j'ai des petits problèmes. Bon, je sais pas, on verra bien. Ouais, alors j'ai pas joué depuis 2 jours, je suis un peu perdu. Je sais qu'on a commencé cette mission. Ça devait être celle que j'ai dû faire dans la vidéo précédente. Parce que je vois qu'elle a un tout petit peu entamé la mission. Faut que je fasse quoi? J'aille sur le toit? Est-ce qu'il faut que j'aille sur le toit? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une échelle derrière? Non, il y a rien du tout. Bah les gars, on y va comment? Je comprends pas. Il y a une entrée principale? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. De ce côté-là. C'est ici? Ah ouais, c'est là peut-être. Ah, c'est bon, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Ah, je suis content. Je suis content parce que je me disais comment c'est possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle va être content. Hop. Si tu veux savoir où est la voiture, t'as intérêt à me filer du gros, mec. Gros genre Jimmy Siska et Nelly Shire? Ils couchent ensemble? Je le savais. Voilà, ça c'est du sérieux. Compte sur moi. Cool. Super cool. C'est chaud. Ok, je t'ai envoyé l'itinéraire GPS de la voiture. C'est bon? Franchement, il n'y a rien à dire. Ubisoft, je trouve quand même, ça devient un des plus forts. Ils ont presque tous les jeux de tous les styles là qui sortent maintenant ces derniers temps. Et quand tu regardes, ils font les jeux tout en français. Comme Square Enix maintenant, Square Enix aussi, hein. Quand tu vois les Resident Evil et tout, alors je sais qu'il y en a, ils adorent jouer en VO. Moi, je préfère jouer en français, même si la VF elle est pas très bien faite ou quoi. Mais là, par contre, je la trouve bien faite, hein. Mais je veux dire, Resident Evil, je sais que c'est Resident Evil. Bah, des fois, c'est pas super bien fait, mais. Enfin, même quand c'est en français. Bon, je reprends ma voiture. Je prends ma super voiture. Eh oh, j'ai pas mis du rock, moi. Attendez. Comment on fait, bordel? J'arrive pas à changer. Oh, pardon. J'arrive pas à changer. Alors là, il faut qu'on se mette bien. Attendez, faire les choses bien ou pas? Nous, on adore les droits d'auteur. Et celle-là en plus. C'est kiff. Je trouve que c'est classe de pouvoir écouter la musique comme ça. Alors, voler la voiture. Comment je fais avec tous ces gens là? Comment on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire quoi sur ton téléphone? Moi je sais pas. Je sais pas. Alors déjà on va mettre ça. Normalement ça va l'attirer, on va le voir s'éclater là-bas. Voilà, il fait dodo. Peut-être arrêter la musique en fait, c'est un peu le bordel. J'ai augmenté un tout petit peu le son du jeu. Alors, comment on va faire? Attendez, il y a du monde de partout. Oui. Attendez, je ressors de la zone. Ouah.
Attends, on va regarder de l'autre côté, parce que là... Ah, il y en a... Oh, mais t'es dégueulasse, toi, mec. La dernière fois, je m'amusais comme ça, parce que j'ai fait une petite vidéo, je sais pas si vous avez vu, là. C'est un selfie qui tourne mal, je m'amusais, je sais pas, je déconnais, je me faisais chier. Et... Oh, les mecs, quand ils te chassent en hélicoptère, c'est pas... Attention, c'est... On l'a perdu. Ouais. Descends de ta voiture. Ok, ça c'est quoi ça? Non, pour faire dodo? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Pas faire dodo? Voilà, je suis trop loin. Putain, ça marche pas. Chut, tais-toi. Vite. Ouah. Oh, c'était chaud. Ah, mais oui. Mais c'est ça, c'est ce qu'on avait vu. Vérification du système. Trop cool. C'est parti. Ouah, c'est quoi ça? Mais oui, par rapport à la série, là, le film, il s'en est pris à nous. On avait piraté et tout. Putain, mais je suis con, quoi. J'ai tout zappé. Tu sens bien le fast, là? Moi, je sens le furieux, surtout. Faut qu'on pirate. Vous n'êtes pas autorisé à conduire ce véhicule. Mais si. Bah je m'autorise là, t'as vu? Range, t'as entendu ça? Elle parle la bagnole. C'est des hélicoptères de merde. Pas déchets ce qu'on va faire. J'ai des points que j'ai pas utilisés. J'en ai 10. Améliorer la capacité de piratage. Ça quoi ça? Augmenter le nombre de followers, explorer 1, augmente de 2 le nombre de ressources. D'accord. Y'a pas l'hélicoptère? Et là. C'est quoi ça, pirater sur électronique des véhicules au lieu de les crocheter? Ah ça c'est pas mal. Je peux faire avancer le véhicule, pirater le véhicule, envoyer où vous voulez en appuyant sur LB, AX ou d'accord. Et celui-là, pirater les sirènes électroniques, ouais, c'était ce que je disais. Et celui-là, je peux pas parce que j'ai pas assez de points. D'accord. D'accord. Info 6, d'accord. J'en ai que 4. Ok. Perturbation. Voilà. Mais des trucs parce que ça pourrait m'aider, hein. Croyez-vous pas? Excusez-moi, je referme. Voilà. Il va pas se refermer. Aïe 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 aïe. Je suis dans un guet-apens. Votre visage est trop sombre pour le capteur. Hey, bitch, je suis black. Oh merde. Vous avez entendu ce qu'ils lui ont dit? Trop cool. C'est parti. Votre visage est trop sombre. La voiture elle est raciste. Ah mais pour ces capteurs. Tu sens bien le fast là? Moi je sens le furieux surtout. Oui, rangez-vous. C'est chaud. Vous n'êtes pas autorisé à conduire ce véhicule. Ah ouais? Bah je m'autorise là, t'as vu? Range, t'as entendu ça? Elle parle la bagnole. Mais les flics ils sont trop chauds. Oh!
J'ai pas tout compris, hein. Votre visage est trop sombre pour mes capteurs. Je suis black et je suis fier, moi. Dis plutôt à tes capteurs de se recalibrer. Aucune raison. Je l'ai fait partir en cacahuète, la voiture flic. Ça m'étonne pas. Putain, c'est putain de flic, là. Hélicoptère de merde. Préparez-vous à traverser une zone de turbulence. Accroche-toi bien au ciel. Il fait le malin. Toi et moi, nous allons enflammer les rues. Hey! C'est dans le film de Siska, ça, non? Hé, hey, Range, t'as entendu ça? J'ai grave de la nitro dans mon carburant. Attends, quoi? La bagnole vient juste de sortir. Ouais. Oh, putain. C'est pas possible, c'est trop cool. Le jeu, il est pas fait pour moi. Mais comment il trace, putain d'hélico? Il vient vers moi, tu sais. C'est bon. Ok, c'est bon. On se retrouve au garage. Ah putain. Ça va, pas de soucis. Putain. Aïe. Pas fait exprès. La voiture, je l'ai dégommée, tu sais. C'est Devon von Devon, biatch. Vous n'êtes pas Devon. Devon von Devon est sexy et bronzé. Ah, oh, déconne pas, je suis quand même carrément plus bronzé qu'un mec qui s'appelle Von Devon. Ils ont même pas pensé à un capteur pour Black chez Galilée. Mes créateurs ont vraiment pensé à tout. Bah, apparemment pas, non. J'aimais, il parle avec la voiture, tu sais. Je crois qu'il pète un câble. À l'intérieur, comment c'est? Oh, il est normal. Ah, j'aime pas les trucs avec les hélicoptères là. Tant que tu jouerais pas ça, ça va être la merde. Dès que j'ai des points, je me prends l'hélico. Au molleuse, garage! Non mais sérieux, cette bagnole, c'est un truc de fou! Galilei s'est bien démerdé en faisant payer ce machin au studio. Ce machin, tu l'as entendu parler? Non. Ça va au-delà de la reconnaissance vocale. Ok, les procédures de script sont améliorables, mais les réponses sont ultra pertinentes. T'imagines tout le boulot que ça a dû représenter? Galilée, ils parlaient d'apprentissage artificiel pour leur sonde martienne, mais je pensais pas qu'ils étaient aussi avancés. Quoi? Oh merde! Oh, c'était toi! Je n'approuve pas que vous me conduisiez, Marcus. Vous n'êtes pas aussi bronzé que Devon von Devon. Ouais, trop de punchline pour une voiture qui parle. Wouh! Toute belle et toute brillante. Donc en fait, elle parle pas? Bah, elle fait... Ça compte, ça? Tu sais quoi? Pas chier, en fait. La voiture est conçue pour des commandes autonomes, mais il n'y a rien de programmé ou de calibré. Il y a du potentiel, mais c'est pas optimisé. Pas mal. Ah, tu vois? C'est comme ça qu'il faut penser. Positif! Non, elle est juste débile. Alors c'est ça, le plan? Réparer une smart car qu'une agence spatiale a foiré? C'est un problème? Non, je m'en occupe. Il me fait penser un peu à Monsieur Robot, légèrement. Bon, mission accomplie! Quoi, elle est finie? Non, c'est pas fini en vrai, c'est encore une étape. Je suis sûr que c'est en plusieurs étapes. Mais ça me semblait un peu bizarre qu'elle soit terminée là. Oui, je sais pas, du... Voilà, c'est là. Ouais, d'accord, j'ai fait que la moitié. Ok, bon bah voilà, on va s'arrêter sur cette mission un peu pétée. J'ai mal joué, je le reconnais, j'ai mal joué. Mais il faudra s'attendre souvent, et très souvent, que je joue mal.
Parce que je suis comme ça, moi. Si t'aimes les gens qui jouent bien, trace ton chemin. Alors, attends. Ah, mais j'ai que 2 points, putain. C'est bien. Merde. Bon, bah écoutez, je m'arrêtais là. J'espère que cette micro-petite vidéo vous aura plu. Laissez un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Watch Dogs 2 et d'autres jeux. Et gardez la pêche, soyez forts. Je vous fais des bisous partout. Allez, ciao.